What, tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, hein, c'est ce que souvent, habituellement, les youtubeurs font. Vous allez bien, moi je vais bien, voilà, c'est le truc habituel qu'on retrouve en introduction, donc je le fais, j'imite. Et aujourd'hui, on va parler de GTA 6, de rumeurs, hein, je dis bien de rumeurs parce que sinon, il y en a qui vont péter un câble, voilà. Ça plaît, il y a des gens qui aiment regarder, et puis c'est aussi intéressant aussi à la fois parce qu'il y avait des trucs aussi que j'avais cités à l'époque pour GTA 5 aussi. Et puis après, bah, c'était le truc, tu vois, il y avait des trucs qui ont été dit et que j'ai dit sur certains sites, des leaks, voilà, après ça reste à voir, attention, ce sont des rumeurs. Et puis aussi à la fois, j'ai envie de vous dire, fuck. Non, je rigole, mais il y a quand même un truc assez important, c'est que moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai fini là au niveau de mes études, c'est-à-dire que je vais avoir 2-3 mois de vacances. Enfin, il y a le bac la semaine prochaine, mais c'est pas super important, enfin, genre parce que quand normalement t'es un beau gosse et que tu travailles genre toute l'année, normalement t'es pas censé être sous de grosses pressions parce que t'es censé quand même connaître le programme. Voilà, je sais, je me mets en avant. C'est pour vous prévenir que voilà, je serai un peu plus actif sur ma chaîne YouTube et que j'essaie de vous proposer en tout cas du bon contenu vivant. C'est important, intéressant, c'est bien, je suis content. Le blabla commence par exemple sur le site en disant GTA 6 may also come in 2018 or 2019, PC Gamer reported. Voilà, release date aside report point out. Oh putain, j'ai eu un petit lag. That the music that will get featured. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Là, en gros, je vous ai sauté quand même deux paragraphes parce qu'en gros, ils disent vraiment voilà, les choses qu'on connaît tous, que normalement, il va avoir une plus grosse map, une plus grande ville, etc. etc. Et ça, tu vois, ça paraît même logique que Rockstar vont sortir plein de grosses nouveautés. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on va en parler. Attention, ce sont des rumeurs, donc je ne veux pas aussi dire oh là là, t'es tombé dans le panneau et tout, c'est du fake et tout. Peut-être, je sais pas, I don't know. Et mais j'ai quand même écouté la musique et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Moi, je connaissais pas perso, c'était voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu, vous pouvez lire de toute façon en anglais, mais que en gros, bien sûr, dans GTA, on a toujours eu la radio, la musique dans la voiture, c'est quelque chose un peu qu'on aime bien. Une chanteuse par exemple Rihanna assez connue, voilà, qu'on a pu aussi voir voilà, dans GTA 5, aussi dans, je crois, dans un striptease où on peut aussi la voir, une sorte de, voilà, enfin bref, un easter egg. On n'est pas dans ce délire là, mais que on a, et puis surtout ça saoule aussi au niveau des copyrights sur YouTube, enfin bref, j'en termine là dessus mais que c'est sympa parce que ici il parle, et c'est la première fois que je vois ça, que on parle donc d'un groupe de musique qui apparemment sera dans GTA 6. Donc alors, peut-être c'est de la publicité pour ce groupe là, enfin voilà, peut-être ce site là a décidé de faire de la publicité, je ne sais pas, mais il s'appelle Bandana Chatawale. Moi je ne connaissais pas, alors peut-être que j'ai l'air con, peut-être c'est super connu. C'est une musique africaine, mais qui est apparemment aussi très connue, et ça a été cité dans le texte en tout cas, très très connue aussi aux United States, voilà, African American. Donc c'est quelque chose de relativement connu, alors moi je ne connaissais pas, et je mettrai aussi, tiens, le lien de cette musique là, je peux pas vous la mettre parce que je risque d'avoir des copyrights malheureusement. Je vais peut-être vous mettre quelques images du clip. Bon, c'est un truc africain, mais c'est super, moi franchement je kiffe la musique, j'étais bien dans l'ambiance et tout. Je me verrais en tout cas jouer un jeu, surtout comme Grand Theft Auto, et être dans un véhicule, écouter ce genre de musique et tout. Franchement, ça donne l'ambiance, et c'est sympa. Voilà, donc c'est une petite musique, voire plusieurs musiques même. Il parle, ce site là, il parle même de l'incrustation de plusieurs fonds musicales de ce groupe là sur le futur jeu, donc GTA 6, sachant que on a eu pas mal aussi d'infos, enfin attention, c'est peut-être des rumeurs certainement, de certains protagonistes qui sont à la base des acteurs, un peu comme ce qu'on retrouve sur GTA 5 où bien les personnages tels que Trevor, Franklin et tout, à la base ce sont des vrais personnages qui prennent après, ils vont prendre la même voix que le personnage et tout, hein, ils représentent le personnage, sauf que nous on les connaît sous forme de character, donc de protagoniste en tant que de jeu vidéo, mais on les connaît pas, voilà, ils sont connus sous forme IRL on va dire, mais voilà, on les connaît plus sous forme de jeu vidéo, Trevor etc etc, et que on a aussi par exemple des incrustations où on a pu avoir, je crois il y a peut-être un an, un rappeur connu américain qui avait lui-même cité oui en gros, et eh bien
je vais avoir aussi mes quelques sons musicales que je crée et bien sur ce futur jeu. Et que ici aussi on a donc apparemment et bien ce groupe musical qui devrait apparaître donc dans ce futur jeu. Voilà, ça reste à voir comme je vous l'ai dit, mais écoutez la musique, moi je dis que c'est pas mal, c'est ça donne un peu de plus de choses. Ils disent aussi quelque chose d'autre assez intéressant, c'est for example prospects that there will be more flying missions, c'est-à-dire qu'il y aura plus de missions avec les avions, quelque chose que moi dans GTA 5 j'ai trouvé franchement. J'ai trouvé déjà ça super bien d'avoir des avions déjà dans GTA 5, le mode en ligne, ce qu'on retrouvait pas vraiment dans GTA 4, que d'avoir dans GTA 5 où je me rappelle qu'on a vu le trailer avec genre l'avion de chasse qui passait comme ça vite fait devant un appartement, je sais pas si vous vous rappelez de ce trailer là, bah on était super contents, on disait waouh et tout, ça ressemble un peu Battlefield, tu vois, où tu dis il y aura des avions et tout, tu pourras piloter ton propre avion dans GTA 5, ça a vraiment super bien marché et c'est aussi une bonne tactique commerciale aussi de rajouter bien évidemment des missions au niveau des avions. Il y aura pas que dans ce domaine là à mon avis qui vont rajouter des missions, et heureusement aussi. Donc voilà, ça a été dit en tout cas cette petite chose, et aussi quelque chose d'autre important: in the previous donc installments of GTA our missions were quite scary, but for the incoming Rockstar hits, more missions are expected. Donc il y aura plus de missions apparemment qui seront expectées, donc enfin voilà, qui devraient arriver dans ce jeu là Pas grosse nouveauté, moi c'est vraiment ce groupe musical pour moi qui est vraiment la voilà quelque chose on va dire qu'on ne voit pas dans tous les sites au niveau de GTA 6, parce que c'est vrai qu'il se répète beaucoup, c'est vraiment souvent la même chose. There will also be more weapon choices, donc c'est-à-dire plus d'armes, ce qui est logique, apparemment aussi plus de customisation. C'est ce qu'ils ont cité par la suite, donc le pouvoir customiser ses armes, plus d'armes, la possibilité de customiser après ses armes, donc il y aura plus de choix, donc ça aussi c'est bien. Je trouve que quand même dans GTA 5 il y a eu un énorme progrès là-dedans, même au niveau des customisations, au niveau des véhicules. Après c'est vrai qu'on peut reprendre San Andreas où on avait quand même pas mal de choses, et il y a quelque chose dans GTA 5 qui a aussi, je dirais, ça a déplu quelque part, enfin voilà, on était un peu déçus. C'est les cheat codes, les codes de triche, où en gros, et bien dans GTA 5 c'est très pauvre. C'est même à quel point on, voilà, on mode et on se fait nos propres cheat codes, parce que voilà, on est très pauvre en cheat codes dans le jeu GTA 5. Et donc ici ils disent que il y aura en tout cas la présence d'un cheat code tel que San Andreas. Moi je franchement je suis entièrement pour, voilà, c'est franchement c'est fun. Après des cheat codes c'est toi qui décides d'en mettre ou pas, donc si tu en tout cas aimerais mettre des codes de triche dans le jeu, eh bien pourquoi pas mettre un maximum de codes triche, comme ça toi tu t'éclates. Si t'as pas envie de mettre des codes triche, eh ben t'as pas tout simplement à taper le code triche sur ta manette. Donc je pense que ça aussi ça peut être positif en tout cas dans ce futur jeu, où ça j'ai du mal à comprendre pourquoi Rockstar dans GTA 5 ils ont décidé vraiment de rétrécir tout ça. Après, j'espère que c'est pas pour aussi des actes commerciaux avec les shark cards, pour essayer d'inciter les gens aussi après à mettre de l'argent dans le mode en ligne de GTA, et de après de se procurer des véhicules, des choses comme ça dont on aurait pu se procurer dans le mode solo avec des cheat codes par exemple. Bon, après il y a pas mal de cheat codes genre tsunami, des trucs comme ça qu'on pourrait rajouter, voir plusieurs tanks, plein de véhicules de police, après pouvoir aussi les customiser, pourquoi pas. Bon, moi je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peut être fait en tout cas dans ce futur GTA. Donc il a été cité, donc GTA users might see the return of cheat codes which gaming enthusiasts have always looked forward to seeing. The game may also come with bigger maps. Donc au niveau des maps et tout, je vous ai montré pas mal de maps qui ont été réalisées par des fans, même une simulation en 3D, et c'est bien foutu, on réunit un peu toutes les grandes villes qui ont déjà été développées par Rockstar, et qui je trouve personnellement, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas en reparler, je trouve que ça aussi c'est une très bonne idée. Les gens, merci encore tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page, c'est tout personnel aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.